major continental football events. The viewers of CRTV can testify. The image quality is impeccable, the sound is beautiful, and the soccer we expect can give you the same quality like the picture against the field, like any African country going far. It's the same like Jamaica going far. Follow that, the Dark Invader, Vincent Aboubakar, slips over with the two legs. He takes a shot, will he? Yes, he does, but he doesn't go through because he crashed against Jamali White's leg. Vincent Aboubakar, in the midst of a convoy of defenders, he succeeds to steal his way ball area. Out of Thomas Ricardo of Jamaica. Ah, the Lions are committing a lot of attacks. Vincent Aboubakar qui a choisi de s'excentrer cette fois-ci, hein, venu tenter par le couloir droit. Le centre de Gomes, il est très actif, la tête. Oh, c'est à côté. Incroyable. Game for Junior Tchemalan, but also great game for Maru Swaibu. And if you watch that game, this... Yes. Let's see who takes it because he's not alone. The referee has to instruct Jean-Jacques Gambodala to tell them what to do and what not to do in a moment like this. There is a right angle, there is an acute angle. Et voici le capitaine Vincent Aboubakar, prêt de commencer à honorer les couleurs dont il a la responsabilité, le vert, rouge et jaune. Il s'avance, enveloppe. C'est pas si loin. Cette balle bien enveloppée, mais touchée par White Mali. He loves Evariste because he saw it clearly. And Jamali White performs in all honor of the Jamaicans to take that one off, which was already getting right in. He gets his angle better than Isosceles. Vincent Aboubakar, only that Jamali White was there. Here goes a corner kick. Ah. Attention avec cette récupération de balle pour l'équipe jamaïcaine. Il faut déjà faire cette attention. Il est tout seul. Comment il fait pour se retrouver tout seul? Et c'est donc l'ouverture du score pour la Jamaïque. Avec ce but de Marc Grégor qui vient donc crucifier ces Lions et Nantes du Cameroun. Peter McGregor, le joueur de Doumbé Holden FC. Lui qui d'ailleurs évolue du côté de la Jamaïque. Hein. 15 matchs joués, 8 buts la saison dernière. Et on revoit cette belle passe. Le gardien n'a plus rien faire. La défense qui l'a complètement oublié. Nous n'avons pas la possibilité de vous offrir les images de la Coupe du Monde parce qu'il faut avoir les droits de diffusion. Attention quand même pouvoir vous accompagner durant cette période en vous donnant justement toutes les informations possibles. Alors qu'il y a des joueurs qui vont se retrouver sur le sol. Pour Brown Javen. Le voilà. Allez, les Lions qui vont essayer justement de presser. Pourquoi pas essayer à distance. Une frappe à distance, pourquoi pas essayer. La frappe à distance. Et ils ont but. Il m'a compris. Quelle frappe à distance est contrée par le défenseur. Et voilà donc l'égalisation des Lions indomptables du Cameroun. Oui, Jarwal Kaïba. Je le disais tantôt, il fallait qu'il fasse son entrée dans cette rencontre. Le sociétaire de l'équipe de Coton Sport de Garoua qui sort des bancs du bord de touche et vient donc égaliser au meilleur de moment. Pour le grand plaisir des fans qui sont dans cette pelouse du Stade Fontaine, eh bien, je le disais bien, il fallait essayer à distance, eh bien, la frappe contrée qui va tromper le gardien de but. Et voilà, pour le 1 but partout. Pour grand plaisir de Rigo Berson qui peut jubiler. Coaching gagnant pour Rigo. Alors, je le disais, quand il est entré, j'ai dit,
ce garçon, il fallait se méfier. Il a été double buteur avec les Lions, indomptable, de moins de 23 ans. Jawal Kaïba, qui marque des points, qui marque des points. Et la défense qui essaye justement. Where business will begin for real. Benen now let's go with Maibus. Benen, Evariste Yenga. Swaibu Maru, go ahead. Alors, nous sommes avec Maro Swaibu. Bonsoir, Maïrou. Votre impression à la fin de ce match que vous venez de jouer. Bonsoir.